Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, quelques minutes sur Call of Duty cette fois-ci. On est sur Xbox One et donc on commence avec Call of Duty Infinite Warfare. Alors voilà, ça y est, c'est parti. Je fais ça en vitesse parce que je me dis, bon, tant que les serveurs sont encore à peu près en vie, il faut en faire une. Voilà, un et on est parti, let's go. Je vais contourner, je connais pas encore super bien les maps mais rien à foutre. Voilà, je voulais balancer des parties sur ces jeux-là parce que bah, y a Black Ops 4 hein, qui est sorti, y a Red Dead hein, qui est sorti, donc bon, bah, voilà, hop là, t'es mort. Putain de merde. Et donc voilà, tant que les serveurs sont encore à peu près ok, je balance de la petite partie en multi. Allez hop, c'est parti. Je sais pas du tout. Bon, je commence à peine hein, puisque moi j'ai installé le jeu donc lundi et on est vendredi au moment où je fais la capture. Donc toc, c'est pas forcément génial de faire ça, mais je m'en fous. Ça sera quand même hop là, ça sera quand même qualitatif parce qu'au final bon, je sais quand même jouer au FPS hein, même si je suis pas un monstre. Je vais quand même me débrouiller normalement. Allez, les maps je les connais vraiment pas. Oh, putain de merde, et je me fais surprendre, ça c'est bon. Alors. Ouais, parce que le problème c'est que je connais pas les spawns. Alors ça se trouve, je me fous en plein dans les spawns ennemis. Et je vais me faire. Ah bah là je vois là, sur la mini-map là. Hop, oh, bah, j'en vois un. Oh bah lui, voilà. Ah putain. Ah c'est bon. J'ai cru que j'avais pas le pété. Voilà donc. Un jeu qui est quand même, il est super agréable à jouer, ce jeu, malgré les critiques. Et donc Call of Duty, voilà, Infinite Warfare qui est... Oh putain, celui-là je l'avais pas vu. Malgré les critiques qui disent, ouais, Infinite Warfare c'est de la grosse merde, etc. Alors c'est vrai que le gameplay est un peu compliqué. C'est un gameplay à la Titanfall, mais en beaucoup plus mou. Et effectivement, du coup, soit tu fais des possibilités de courir sur les murs, de sauter, faire des doubles sauts, etc. Et à ce moment-là, bah, tu mets vraiment la trempe. Putain, et je suis vraiment pourri. Alors là, faut que j'essaie de me concentrer. Je suis quand même deuxième de la partie. Enfin bref, deuxième de l'équipe. Qu'est-ce que je disais, voilà, soit tu mets un gameplay voilà, qui est assez violent au niveau des possibilités, voilà, courir sur les murs, faire des doubles sauts, etc. Et à ce moment-là, bah, tu mets la trempe au niveau de l'énergie que tu peux dégager du personnage, à savoir courir très très vite, faire des slides, etc. Et là, c'est pas vraiment le cas. Ici, on a des possibilités qui sont assez nombreuses, mais c'est mou. C'est quand vous courez sur les murs, c'est mou. Alors soit je sais pas encore jouer, parce que ça fait que quelques heures que je suis sur le jeu, soit effectivement c'est vraiment mou. Enfin, c'est l'impression que j'ai depuis le début que je joue à ce jeu. J'ai fait quand même 4 ou 5 parties en multijoueur, et voilà, c'est cette impression que j'ai. J'arrive pas du tout à avancer. Et toi, petite surprise. Il y a peut-être son pote qui va le suivre. Oh là là. Oh putain, j'ai volé le frag. Oh, je vais me faire défoncer. Je suis un gros bâtard. Alors. Là, j'arrive peut-être dans... Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était que j'étais dans leur spawn. Alors, griffe prête. Alors ça, c'est pas mal. C'est un espèce de pouvoir, un espèce d'atout. La griffe, c'est des tirs qui rebondissent sur les murs. Mais alors, mon pauvre vieux, tu te tires... En 2 secondes, tu t'alignes un bonhomme. Hein. Et t'as quelques munitions. Ah, oh, ben, tu vois, moi, je suis un peu en retard, tiens, mange ça. Et ouais, t'alignes un peu tout le monde et c'est vrai que c'est sympa. J'ai réussi à faire un triple kill la dernière fois avec la griffe. Là, juste avant, là, sur la partie de chauffe. Et donc, où ça arrive. Ah, ah bah non, c'est pas eux. Bon bah comme ça. Alors, faut que j'arrive à trouver des ennemis. Non, bah y a pas d'ennemis. Comme ça, putain. Fait chier. Oh putain. Oh, je l'ai pas vu lui. C'est bien joué la glissade, il m'a défoncé. Là c'est bien joué. Oula, toi t'es mort, ouais. Ça c'était sûr. Alors, je crois que je suis dans le camp des ennemis, si je dis pas de conneries. J'ai cru voir plusieurs points rouges là. Alors. Faut... Oh putain, je suis dans leur spawn. Non. Oh, je pense qu'il il y en a 2-3 qu'on spawn d'ici. Ok, c'est pas grave.
Allez, allez, on y va. On essaie de choper un peu de skill aussi sur le jeu parce que voilà, on a beau savoir jouer au FPS. Oh, toi, tu m'as pas vu. Ça, c'est vraiment du frag de salope. Moi, je m'en fous. Oh, derrière, putain, j'ai vu la mini-carte. Bon, c'est pas grave. Tiens, on envoie le drone. Voilà. Donc, ce qui est cool, le drone, c'est que ça révèle les positions ennemies. Ça, c'est quand même pas mal. Ouais, là, je vois que j'en ai un en face. Et un sur le côté. Alors, faut faire gaffe parce que quand ça arrive, attention, ça prévient pas. Alors, c'est où? Ah là, putain. Oh, je l'ai eu, tendon d'Achille, là, tu dois plus pouvoir courir, connard. Ah! Dans le dos. Bien joué. Et donc, voilà, donc se familiariser avec le gameplay, c'est quand même. C'est un gros avantage de pouvoir le faire. Voilà, bon, j'ai le jeu très très tardivement. Je l'ai acheté 8,90 dans un bac chez Cora. Voilà, donc l'édition Legacy. Hein. Parce que après une partie sur ce jeu, on va jouer à, oh, putain, à Modern Warfare en remaster. Et ça va être top. J'ai un peu moins joué au Modern Warfare parce que c'est. Oh putain, toi. Ouais. Parce que c'est un jeu beaucoup plus classique. Et donc, voilà, il n'y a pas du tout besoin de se familiariser avec le gameplay. Allez, je vais essayer de contourner. On va voir un peu si je peux les avoir dans le dos. Putain, c'est pas possible. Et lui, il est énervé. Hein. Ah, c'est au-dessus. Il y en a là. Là, il y a des ennemis. Là. Ils viennent de se faire buter les. Ah, les bleus là. Voilà. Putain, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où? Là, je les vois pas. Ah, la mini-carte! Ils sont là. Merde. Ça, c'est mon gros défaut. J'ai pas utilisé ma mini-carte. J'ai l'œil dessus quand il faut pas. Mais alors, par contre, quand il faut, bah, forcément, je regarde pas. Là, on est. Ah ouais, putain. J'allais dire, on est vraiment trop paquet là. Et du coup, les ennemis peuvent nous choper dans tous les sens. Ouh là 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 là, je l'ai échappé belle là. Oui, belle là, belle là. J'aime pas Maître Gims. Oh, toi, t'es mort. Oui. Alors. Où est-ce qu'ils sont maintenant? Est-ce que c'est toujours pareil? T'en butes un, au final les spawns changent, etc. Bon, c'est vraiment du jeu actuel, hein. C'est vraiment du FPS actuel. Dès que tu commences à claquer trop de gugus, les spawns tournent. T'as vite à te perdre. Hop. Ouh, il m'a fait peur, putain. Oh putain! Toi t'es mort. Oh, s'il y en a. Oh, tiens. Ça fait deux. Trois. Oh, dommage qu'il n'y a pas plus de balles. Oh putain de merde. Oh, il m'a eu. Mais de toute façon, ils étaient deux, alors pas de regret. Je me serais fait défoncer quoi qu'il arrive. Hop là. Ah, la griffe, ça marche bien. Il y en a un qui doit être par là. Ouais. Ah putain, comment je les pré-shoot à ces bâtards, mais tant pis. Je l'ai vu de toute façon que c'est pas. Oh putain. Alors au snipe, ils sont méchants, hein, les mecs. Oh la vache, ils cognent. Il cogne. Bon. Ça a pas tardé là. 85. Putain, on va perdre. Fais chier. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Je suis pas là pour gagner, mais c'est pour montrer un peu le gameplay qui a une prise en main. J'ai envie de dire assez rapide, mais c'est vraiment parce que je joue souvent au FPS. Sinon, c'est chaud hein, quand même. Oh, la mollesse du truc, quoi. Quand je cours au mur, ça me rend ouf. Ouais, non, sans déconner, c'est vraiment mou. Oh putain! Est-ce que ma grenade va. Oh putain. Ouais, avec les snipes, ils sont vraiment méchants. Là. Je devrais même pas me foutre devant, quoi. Quand l'autre il est avec son snipe, je devrais même pas tenter le duel, quoi. Alors, est-ce qu'il est encore là, l'autre? Ouais, putain, il est encore là, il va me défendre. Oh putain! Et puis, moi, avec mes réactions en 4 secondes pour engager le duel. Oh putain, et toi t'es mort, et tu viens pas. Ouh lolo lolo lolo. Oh, je me suis fait piquer le frag.
Voilà, je vais me faire défoncer. Eh, alors là, désolé, j'ai vraiment joué comme une bille. Tiens, je tire au jaugé, je m'en bats les couilles. Ah, je sais pas utiliser ça, putain. Ah bah, de toute façon, c'est fini. Bon, merci, on passe tout de suite sur l'autre jeu. Hein. Allez, c'est parti. Alors voilà, on est sur... sur Modern Warfare Remaster. Alors là, ça va envoyer du lourd. Hein. Je préfère prévenir tout de suite. Là, j'en remets bien le micro. Ça va vraiment cogner. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup au final. Je suis vraiment déçu. Moi, j'avais joué sur 360. Mais je suis vraiment déçu qu'ils refassent pas un petit jeu un peu comme ça, vraiment. Style, on a vraiment la patte un peu à la... Toi, t'es mort. Putain, j'ai cru que j'allais pas le buter. Donc, alors attendez, je me concentre parce que il est méchant. Putain. Il y a vraiment la patte un peu à la Counter-Strike. Voilà, vraiment cette façon d'avoir des petites maps comme ça. Où... Oh là, les frags de merde que je fais. Ouh, bien joué. Bon, en fait, ça va peut-être être un peu compliqué. J'espère donner un petit gameplay de qualité. Sinon, c'est pas grave, je referai une capture. Parce que comme vous avez pu voir, je crois que sur l'autre je suis au niveau 4, là c'est pareil, je vais être niveau... j'ai des niveaux de merde hein, parce que j'ai fait 3-4 parties. C'est vrai que pour le gameplay de qualité, connaître les maps, etc. J'ai un peu passé ce détail. Mais ah, ça devrait donner quand même... Putain, je me fous balcon. Enfin là c'est vraiment une preuve que je connais pas les maps. Je suis vraiment une bite. Tiens, regarde. Lui là. Alors en haut c'est vraiment c'est l'enfer. Oh t'as toujours des mecs qui font les... Tiens là. Et je tire dans les jambes, quelle merde. Alors je suis désolé, je fais un petit peu de gros mots. Allez. Voilà, faut tirer hauteur de buste. Et avec le recul on tire dans la tête. Bon ça c'est vraiment la technique de base que tout le monde connaît. Mais bon je la rappelle parce que c'est important. Putain. Wow, le réflexe que j'ai eu. Je l'avais pas vu lui. Allez. Le gros avantage c'est que les maps sont toutes petites. Et donc là ça donne un gameplay. Enfin des... Putain comment on utilise ça? Faut rester appuyé je crois. Ouais. Bon c'est de la merde, je sais même pas. Bon allez attack. Voilà. Je suis désolé, je sais pas utiliser ça. Ça donne des parties très animées. Puisque les maps sont très serrées. Donc d'un spawn à l'autre, il y a un virage quoi. Oh putain, ça joue là-haut. Et c'est un peu à la Battlefront sur certaines... Oh là 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 là. Putain, je croyais qu'il y avait des alliés là. C'est... Oui, à la Battlefront, je disais, pour les parties un peu serrées. Donc les portes, etc. Où vraiment ça s'entasse. Je ferai une partie sur Battlefront là, où je vais essayer de faire vraiment du gros score. Oh putain, le nul. Je l'ai raté et l'autre il va me buter. Ah non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Je sais pas s'il y en a. L'autre il est mort, je sais même pas. Si, ça arrive. Oh putain. Voilà, c'est un peu à la Battlefront ça là. On tire dans les portes et au final, bah ça tue du monde quoi. Allez, encore un. Ça serait bien, ça va faire monter le score de l'équipe là. Oh putain, c'est en haut. Alors. Ah, je suis mauvais. Putain, ce que je suis mauvais. Oh là 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 là, je suis désolé, je suis vraiment des parties de merde. Mais... Bah, c'est vraiment ce style de gameplay qui me botte. Moi j'aime bien, vraiment à l'ancienne. Voilà. Oh là là. Oh, oh je l'ai eu au jaugé, le pauvre. Je suis au jaugé bové. Ah bah lui... son pote qui est passé devant, il a eu chaud. Ok. Il n'y a plus personne. À mon avis, voilà, on va passer un couloir. Ouais, mais c'était sûr. Il y en a tout le temps. Je sais même pas pourquoi je passe ce couloir comme un con, là. Je fais n'importe quoi. Allez, on roule. Là, ça shoot. Oh, tiens. Oh là là. Je vise vraiment mal. C'est incroyable. Après, le problème aussi, c'est que je varie trop de gameplay entre les jeux.
entre les FPS. Et puis mes vitesses de déplacement de curseur, putain la vache, il m'a fait peur lui. Mes vitesses de déplacement de curseur aussi qui varient trop. Je veux dire là, la sensibilité de l'arme, elle est vraiment pas du tout la même que sur Infinite Warfare. Ah, toi t'es mort. Ça t'apprendra à camper. Et j'ai pas fait de vidéo sur Advanced Warfare. Oh, je sais pas si ça vaut le coup, à mon avis, y a plus personne sur les serveurs. Ah, toi t'es mort. Oh putain la grue. Ah putain, connard. Ok, bon voilà, j'ai rien capté. Ah, un de moins. Oh non, mais je suis nul, ils étaient alignés, putain. J'aurais pu les claquer les deux, quoi. Oh, on va gagner. On va gagner, regardez, 74 à 57, ça c'est bon ça. Oh putain, bon c'est gagné quand même. Putain, je me fais tuer à la fin comme un con. Bon, c'est bien joué quand même. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait au mieux. Eh, 2,71 de ratio, les gars. Putain, un monstre, hein. C'est vraiment plaisant de jouer à ce genre de jeu à l'ancienne en remaster. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je regarde pour faire une autre vidéo. Amusez-vous bien, collectionnez bien, et ciao ciao, à plus, salut!